Alors voilà, nous y sommes. Le jury vient d'arriver. Tous les membres sont là, prêts à voter, à bien voter, pour élire à la fois l'influenceur de l'année, le jeune influenceur de l'année, et puis celui qui va être récompensé pour l'influence qu'il a eue au cours des 10 dernières années. Tout le monde est prêt à voter. Et donc le résultat dans quelques instants. Proposer quand même de tenir compte du fait qu'à chaque fois deux candidats ont été très nettement en tête et de voir ensemble si on veut réhabiliter un troisième ou un quatrième. Un court débat s'instaure sur, non pas je vote pour A ou pour B, parce que ça on fera complètement après dans la fois, mais je voudrais réhabiliter C, D, ou F, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ceux qui, en plus de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils font, ont su élargir leur cercle international. Français. Personne ne pensait que dans 5 ans, vous serez fier d'avoir voté pour elle ou pour lui. Donc un vote à deux tours, bulletin secret. Deux votants, absolument. Trois votants, votant qui est votant. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, bien, je pense que nous n'échapperons pas à un nouveau tour de vote. Là, on est en train de voter pour la jeune personnalité digitale de l'année. Et j'ai trouvé assez normal de mettre un troisième prix, une sorte de Nobel Award d'honneur, pour quelque part féliciter, récompenser et souligner le travail d'une personne qui, tout au long de sa carrière, a essayé de militer pour la cause du digital et plus globalement de l'influence. Ce jury est remarquable. Ouais, bravo. Ce jury va bien. Bravo.